Assez époustouflant en fait. Enfin, moi, à la base, l'acteur principal qui joue Nathan, donc c'est pas un acteur que j'apprécie énormément. Et pourtant, là, impec quoi. J'ai vu qu'il y avait des passages qui avaient été modifiés et tout. Même comme ça, on est vraiment tenu en haleine pendant tout le film, donc impec. Beaucoup, beaucoup d'émotions, aucune mauvaise surprise, c'est que du bon. Bravo, bravo, bravo. Vous aviez lu le livre? Ah oui, j'ai lu, j'ai tout lu, j'ai tout lu, j'ai tout lu. Aucune mauvaise surprise, vraiment que du bon. Superbe film, vraiment étonnant, même quand on est lecteur de Guillaume Musso, on est surpris et il faut aller le voir. J'ai lu le livre et en fait c'était vraiment fidèle au livre et c'était très 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 touchant, émouvant. J'ai eu une petite larme aussi qui a coulé à la fin du film, c'était vraiment bien. Ben, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé le film plein d'émotions. C'est vrai qu'il joue vraiment la corde sensible. C'est vrai qu'on est, on est vraiment dedans du début jusqu'à la fin. Enfin, félicitations, j'ai lu tous les livres de Guillaume Musso et j'avoue que forcément quand on a lu le livre, on se dit bah, tiens, est-ce que le film va être à l'image, je dirais, du livre et aura la même qualité. Et très franchement, je pense que la Gilles Bourdos en a fait une excellente transposition du livre. Enfin, c'est pas une transposition parce que il y a sa personnalité, c'est plein d'émotions. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment de qualité et je pense que ça va être un beau succès. On attend après le prochain. Film très bien, mais très angoissant aussi. Vous aviez lu le livre? Bien sûr. Donc, très bien. C'est une autre vision, c'est sa propre vision. Et elle est très très bien, très très émouvante. Que dire? Magnifique.